Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, ce sera la spéciale Ford, donc un constructeur de voitures américain créé en 1903 par Henry Ford. Donc là, je vais vous présenter donc toutes mes majorettes de marque Ford, hein, bien sûr. Alors, je vous avais fait il y a pas longtemps les voitures américaines. Bon, j'ai décidé de faire un truc un peu plus précis, voilà, avec les voitures Ford. Donc, je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Pensez au pouce bleu, à vous abonner et puis à laisser un petit commentaire. Merci à tous. Allez, on commence tout de suite par une vieille Ford. Alors, pas en termes de miniature, mais en termes voilà, de véhicule réel. Donc, un Ford A. Voilà, modèle A. Acheté majorette. Très sympa. J'aime bien celui-là. Je l'avais quand j'étais petit en rouge. Là, j'ai trouvé une version bleue avec orange compagnie. Voilà. Très sympathique. Plutôt un beau moule celui-là, j'aime bien. Voilà pour celui-là. Alors, ce sera pas forcément dans l'ordre, hein, les gars. Je vous montre à peu près, voilà, quand je peux. Ensuite, une Ford Thunderbird avec la déco Driver 2, le jeu PlayStation 1. Donc ça, Ford Thunderbird de 1957. Plutôt sympa. J'aime bien. Voilà. Cette Ford Thunderbird. Ensuite, Ford Capri, pardon, en rouge. Alors, celle-ci en état de jeu, il faudra que j'essaie d'en trouver une vraiment propre à l'occasion. Voilà. Donc, c'est un Made in France. Alors, à noter que j'en ai fait custom une en noir. Voilà. J'avais un petit moule qui traînait. Bon, bah, voilà, je l'ai repeinte en noir. Je trouve que ça lui va pas trop mal. Voilà. Ensuite, Ford Thunderbird, un peu plus récente. Gambler. Ça, c'est pareil, je l'ai depuis que je suis tout petit, celle-ci. Donc, ça fait plaisir. Vous avez le capot ouvrant qui laisse apparaître le moteur. Voilà, un beau moule, celui-là, j'aime bien. Donc, Ford Thunderbird. À noter que j'ai acheté un custom sur Vinted. Voilà, qui est très joli. Un golf, plutôt pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à la Ford Ka, donc la toute petite Ford Ka qui est très mignonne. Voilà. Donc j'en ai deux, une grise Ford Ka et une bleue. Alors celle-ci, je crois, ouais, c'est une Mira. C'est pas une majorette, c'est une Mira. Donc c'est majorette version espagnole, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Un super bêta que j'ai trouvé en brocante aussi. Donc plutôt sympa cette voiture, j'aime bien. Ensuite, on passe à la Ford Escort XR3. Celle-ci, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps en brocante. Malheureusement, il manque le bout du coffre avec l'aileron. Après, c'est pas trop grave. Donc c'est une Made in France avec les grosses roues. Ah, plutôt pas mal. Mais je vais quand même vous présenter l'autre que j'ai en meilleur état. Et avec des roues normales cette fois-ci. Donc celle-ci est vraiment très sympa. Toujours Made in France. Hein. Donc l'arrière c'est comme ça. Hein. Alors c'est vrai que le coffre est un peu fragile avec cette petite protubérance, l'aileron là. Ça peut se casser assez facilement, faire attention. Voilà donc un beau modèle. Voilà. Ford Escort XR3. Ensuite, j'ai la Ford Escort, mais plus récente, des années 90. Alors, celle-ci, je l'avais en tant que première voiture en rouge, en 5 portes. Une bonne voiture. Donc, Ford Escort, majorette. Donc, jaune avec l'intérieur vert. Alors, l'intérieur vert, c'est discutable hein, quand même. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais. Enfin, je la trouve en bleu ciel. Elle est très jolie en bleu ciel, celle-ci. Voilà pour cette Ford Escort. Ensuite, on passe à la Ford Mondeo en grise. Voilà, bon, un moule assez classique. Hein. Voilà. Un moule sympatoche. Vous avez le toit ouvrant qui s'ouvre. Voilà, j'ai une autre version en police. Je trouve un peu moins belle quand même. Voilà.
avec les pare-chocs blancs, ça fait assez spécial. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, on passe à la très récente, qui est sortie vraiment récemment, la Ford Focus. Alors, j'aurais peut-être dû montrer les Focus première génération avant, bon, c'est pas grave. Focus ST. Voilà, donc, très récente, celle-ci, une gamme Street. Voilà. Ensuite, on va prendre la suite, une Ford Sierra. Voilà, donc jaune. Un moule vraiment archi connu, celui-là, tout le monde l'a. Vous avez les portières avant ouvrantes, bien sûr. Une belle voiture. Ça, c'est une vraie majorette, quoi. Châssis métal, tout en métal, quoi. Made in France en plus. Alors, j'en ai une deuxième. J'ai failli la mettre à l'échange, mais c'est pas même jaune, si vous constatez bien. Regardez. C'est pas même jaune. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Donc, heureusement que j'ai bien vérifié. Parce que j'allais la mettre à l'échange. Bah, du coup, je la garde. Hein. C'est pas tout à fait pareil, du coup. Voilà. Donc, deux Ford de Sierra jaune. J'ai aussi une bleue que j'avais achetée en broc, qui est vraiment en état comme neuf, presque, à part deux, trois petits pets, mais c'est vraiment pour dire quoi, sinon elle est vraiment propre. J'avais acheté 2 euros celle-ci. Ça brille. Donc, voilà. Cette Ford Sierra, j'ai jamais trouvé une blanche maintenant. J'en cherche une. Une blanche, j'aimerais une blanche. Ensuite, une Ford Mustang cabriolet. Voilà. Alors, c'est, je ne sais pas quelle année c'est celle-ci. Hein, je ne suis pas trop expert. Ces années-là. Voilà. Ensuite, une Ford Mustang, mais la plus ancienne. Alors, par contre, la miniature est plus récente, mais c'est un modèle plus ancien. Donc, qui est vraiment magnifique. En verre métallisé avec l'intérieur rouge. Ah, celle-ci, elle est belle. Hein. Elle est vraiment magnifique. Portière ouvrante, bien sûr. Voilà. Elle est vraiment classe. Voilà. Alors, j'ai aussi une autre version de luxe de cette voiture. Donc, avec les pneus en gomme, etc. Avec sa petite boîte, celle-ci, là. Elle est trouvable pour vraiment pas cher sur Vinted. Vraiment, je vous la conseille, celle-ci. C'est vraiment la plus belle. Regardez-moi cette beauté, quand même. Rouge métal, avec des flammes, des jantes chrome. Voilà, portière ouvrante, tout, c'est comme une normale, sauf qu'il y a des pneus en gomme. Ah, vraiment une beauté absolue celle-ci. Hein. J'adore. Une Ford Mustang. Ensuite, on passe, alors toujours au Ford Mustang, mais plus récente. Donc ça, c'est une majorette très récente que j'ai trouvée dans les œufs. Vous savez, les œufs qui vendent là. Donc ça, c'est une Mustang de 2005, un truc comme ça à peu près. C'est-à-dire la miniature date de 2023. Voilà. Donc très sympa. La même Mustang mais plus récente. Voilà, on dirait que c'est la même, mais non, c'est pas la même. C'est un modèle plus récent, celle-ci. Voilà, très sympa. Couleur dorée, voilà, avec les ouvrants, les portes. Voilà. Donc c'est une Premium, un majorette Premium. Enfin, Mustang GT. Elle est vraiment classe. Alors, je l'ai aussi en couleur bleu ciel. Alors, dans la vraie vie, ça fait plus clair. Là, vous savez, un bleu normal, mais je vous assure que c'est plus clair. C'est à cause du filtre. J'arrive à parler, dis donc, de la caméra. Voilà, très joli. Je l'ai aussi en version police, mais sans ouvrant. Donc, c'est une version un peu plus bas de gamme. Voilà. Majorette Street, quoi. Toujours en Mustang, j'ai ça. Une GT mais un peu plus ancienne avec le capot avant ouvrant, un moule sympa, j'aime bien, Mustang convertible, voilà. Et enfin une Mustang comme celle-ci en version avec grosse roue, voilà. Mustang SVO, plutôt pas mal et assez courante celle-ci, on la trouve facilement. Hein. Ensuite, j'ai ça. Alors, je pense que c'est une Ford. Hein, c'est pas écrit en dessous. Mais à mon avis, oui. Alors, si vous savez en commentaire plus exactement, dites-le moi. Voilà, un camping-car très sympa. Bon, je passe rapide, hein, vous connaissez tous. J'ai aussi le Ford F-150, assez récent, avec la remorque. Allez, le Focus.
Décidément, voilà. La gamme Trailers. Donc dedans il y a une voiture, hein. Je vous l'ai déjà montré. Très sympa celui-là, j'aime beaucoup. Allez, on passe au deuxième bac. Je vais faire les Focus. Alors ça, c'est un moule que vous connaissez, qui est pas très réussi, je trouve, mais bon. Alors j'ai réussi à trouver pas mal de couleurs pour la Focus, donc orange, bleu. Voilà. J'ai aussi une blanche. Donc je recherche une noire maintenant. J'ai aussi les modèles WRC. J'ai deux versions. BP et Castrol. Petite préférence pour la Castrol. Voilà. Pour les WRC. Bon, c'est en état de jeu, mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Modèle très commun, ça vous en trouvez très facilement, que ce soit en brocante ou ailleurs. Ensuite, Ford Fiesta. Déjà moins courant celle-ci. Ford Fiesta WRC. Voilà. Plutôt pas mal. Ensuite, vous avez la Ford GT. Un moule un peu petit quand même. En termes de taille du véhicule, elle est assez petite. Je l'ai aussi en jaune que j'ai acheté avec un camion transporteur. Voilà. Voilà pour ce moule. Donc ça, je vous ai déjà montré. Donc ça, et ça aussi ça. Ford Bronco, modèle très récent de la gamme Racing. Voilà, Ford Bronco. Ah, vous avez des portières au ventre, bien sûr. Plutôt pas mal, j'aime bien. Ford Bronco. Wheel Track. Alors, j'ai aussi un vieux Ford Bronco que j'avais acheté en brocante il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, il marche plus, hein. C'est un Sonic Flashers, mais ça marche plus. Et il reste donc les Ford Econoline du fond que vous connaissez tous. Voilà, donc c'est marqué fourgon, mais c'est bien un Ford. Non, c'est un Ford E350, pardon. Je me suis trompé de. Donc une Ford E350. J'ai vérifié hein, sur Internet. Donc voilà, j'ai celui-là. Le petit avis. J'ai le Coca-Cola. Qui malheureusement. Ah si, j'ai la portière, mais elle tient plus. Par contre, il y a un petit pic qui est cassé, dommage. Un petit Coca-Cola. Voilà, très sympa. J'ai aussi un blanc que je trouve sympathique, assez sobre, avec le châssis en noir par contre. Mais il manque une portière, dommage. Mais je vais quand même le garder. J'ai aussi un noir. Voilà, complet. Très sympa. Voilà, vraiment sympa. En état de jeu, mini sympa. J'ai aussi le Tutti Frutti. Ah non, c'est le fruit, pardon. J'ai confondu avec un autre. Voilà, modèle très commun, celui-là, vous le trouvez très souvent en brocante. J'ai aussi l'ambulance. Voilà, donc c'est le même véhicule que le celui-là, là. Vous avez vu? Donc un petit petite ambulance. Très commun celle-ci. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le dernier custom. Je vais le chercher, bougez pas. Le voici, et c'est bien sûr le Rastavan Custom Bob Marley qui est magnifique. Voilà, que j'ai acheté sur Vinted. Une petite beauté, j'adore celui-là. C'est un Made in France. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quels sont vos Ford préférés. Hein, et puis voilà, je vous attends dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, je vous remonte vite fait. Alors normalement j'ai tous les modèles Ford existants, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, il m'en manque pas. Ah si, il manque peut-être. Non, 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 je pense que c'est bon. Voilà. Voilà. Merci à tous. Ciao.